Il peut être bon dans le coin. Du coup, on commence direct sur les chapeaux de roue. Clairement, ça fait plus d'une heure que je suis KO. Que je check de temps en temps s'il y a des dabs qui sont possibles. Donc là, comme j'ai vu que c'était possible de bosser, ben nous voilà en train de bosser. En espérant pouvoir faire quelques liasses avant de me faire choper. Parce que si je peux pas en faire suffisamment, ça va me gonfler. Juste petit détail, tout à l'heure en me promenant, j'étais en train de m'entraîner pour les CP et je suis tombé sur les mads. Du coup, ils m'ont dit que je pouvais leur acheter un peu de dope. Donc on va pouvoir en profiter. Je sais pas ce que c'est la caisse qui s'égare en face tout à l'heure, mais... Oh bordel, c'est quoi cette caisse? Bon, ça va. Et yo là-bas! Bon, déjà on a l'info, il y a du monde qui bosse. Ce qui peut réduire un petit peu mes chances de me faire choper. De toute façon, là, concrètement, j'ai vu le mec qui bossait à côté. Il en a tapé au moins un. Donc je check le dernier qui est là-bas. Ça va être bon. Hop.
Ok, donc c'est bien ce qui me semblait, le mec il a tapé les deux autres. Mais écoute, hop. Allez, ça m'en fait déjà 109 en stock, c'est cool. Quelque part par là, il y en a deux, ouais, ils sont là. Du coup, on va aller là. Ferme ta gueule, toi, tu dis rien. Vraiment.
Ça m'énerve quand ça fait ça. On check s'il y a du flouze dedans au moins. Ouais, il y a au moins du flouze. Bon. Qu'est-ce qu'il fait le camion là-bas? Que je vais réussir à l'ouvrir ce putain d'ATM. Vraiment quoi. Vas-y bordel, ouvre-toi. Ça me gonfle. Sont en train de me gonfler. Vas-y, laisse tomber. Il veut pas, il m'énerve. Ouais, bah écoute, on va passer par là-bas. Allez.
Je vais aller à la Palomino, ce sera un peu plus éloigné, un peu plus tranquille peut-être. Et après on va remonter. Hein. Moi aussi, je vais garder le. Je vais rester avec ce véhicule. Par contre, ça me trigger le coiffeur qui est juste ici. Il y a un truc qui est pas logique, c'est un bâtiment fédéral normalement. Quoique. Vérifions. Ouais, voilà. Bon. Je suis pas en état de m'amuser à virer quelqu'un. Après, je me dis le problème, c'est que là-haut, ils sont vachement éloignés les uns des autres. Problème du nord, ouais, c'est qu'ils vont être vachement éloignés les uns des autres. Je sais pas s'il va y avoir la vidéo ou pas direct. Donc, faut que je continue dans le sud.
De toute façon, dans le nord, si je les tape, ouais, faudrait que j'aille limite ton paletot pour en avoir plusieurs, parce que sinon, c'est un au T-Rex, un magasin de vêtements, un Sandy Shore, un l'autre magasin de vêtements de Grapeseed, un dans la sub de Grapeseed. Et après, ça va être en phase 2000 et tout le. Et tout paletot, quoi. Ça en fait quelques-uns, mais bon. C'est. Un peu casse-bonbon. Coucou Azu, comment tu vas? Ah bah quand même, il s'ouvre ce coup-ci. Bon, par contre, si les flics ils arrivent, je suis niqué. Comment ça, elle a pas pris feu hier? Qu'est-ce qui s'est passé comme dinguerie encore? C'est top, c'était cool du coup. T'as kiffé, j'espère.
Nickel. Eh ben, si t'as kiffé, c'est plus important. Ouais, tant que c'est trop près et que ça t'a pas grillé, ça va. Problème, c'est si ça te grille. Là, ça va beaucoup moins bien. How's it hanging? I'm great. It's the rest of the world that's the problem. If I can live low impact, why can't everyone else? No thanks. I don't bowl anymore. Of course not. I'm just so sick of that whole bullshit scene. There's nothing fresh or honest in it anymore. Mais n'empêche, heureusement que ça leur permet d'approcher du feu sans prendre feu. T'imagines, toi, la connerie? Oh bordel, il va être comme son pote. Il va me faire chier. Allez, putain de dab, fous-toi là. Je suis quasi sûr que t'as des thunes en plus. Voilà. Si c'est pour moi, je suis foutu. De toute façon, là, je suis en mode bas les couilles. Je tape mon truc. Si les flics ils arrivent, bah, je suis niqué. Sinon, c'est cool. C'est pour moi. La dose d'escarotte 10-10. Bonsoir. Oups. Je sortirai votre masque, s'il vous plaît, madame. Quelle merci. Mais bonsoir. Enfin, bonjour, plutôt. Est-ce que... Pardon? Bonjour. Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour dire bonsoir. Excusez-moi, Il n'y a pas de soucis. Un petit Bonjour. AVP. Et tu veux t'occuper du contrôle, Zora? Comme tu veux. Oh, vos yeux. Ah, il Je est me tout remets beau. encore de mes blessures. Allez, venez vers moi, madame, s'il vous plaît. Impeccable. Est-ce que vous avez une pièce d'identité à me présenter, s'il vous plaît? Et voilà pour Oh, moi. elle était déjà prête et tout, c'est magnifique. Mademoiselle Maliwa Asrun. Oui. C'est pas commun comme, comme prénom. Non. Maliwa Asrun. Non, vous allez pas m'oublier, moi. Là, pour le coup, vraiment, première fois que j'entends ce prénom-là. C'est islandais. Alors, comment? C'est islandais. D'accord, ok. Alors, connu de service, mademoiselle Malibuva, je vois que premier délit, avertissement sans garde à vue, braquage du distributeur de billets.
Le 24. Ça va, il n'y a pas de récidive. Bon, par contre, c'est plus un primo délit du coup. Non. Terrible, terrible. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que vous savez ce que vous encourez pour le distributeur de billets ? Bon, non, il m'en a pas. C'est vrai qu'il m'en avait pas parlé le dernier coup de ça. Eh ben alors, pour un braquage de distributeur de billets, vous encourez une amende à hauteur de 3 500 $ et 15 minutes de garde à vue. Ainsi que la saisie de tous les biens illégaux, mais ça paraît logique. C'est normal, ça. Voilà, donc du coup, on va procéder déjà à ça. Je vous laisse déposer les biens illégaux que vous avez sur vous, ainsi que l'instrument du délit. Alors, pas un instrument de musique, n'avez pas me déposer une trompette. Hein. Je peux pas déposer un pipeau plutôt. Merde. Ou un violon S4. Alors. Impeccable. Je vous laisse poser les mains sur le véhicule et je vais vous procéder à une fouille. Non, quand même. Hop. Ici, c'est tout bon. Et ici. On est tout bon, impeccable. Allez, venez vers moi. Hop là. Alors, du coup, on a 20 liasses et un marteau. Un marteau. Impeccable. Toujours indépendant, je suppose. Oui. Hop là. Ok, ok. Et du coup, depuis le 24, là, vous avez réussi à en refaire d'autres ou c'est vraiment la guigne et puis loupé, c'est le premier et vous en faites rattraper. Alors concrètement, c'est assez la guigne. Exemple simple, hier, j'ai voulu en faire. J'en ai tenté 8, ça n'a pas voulu s'ouvrir ou c'était vide. D'accord. Et le seul qui pouvait potentiellement avoir du pognon, il a pas voulu s'ouvrir. J'ai dit, oh, ça me saoule, je me casse, je rentre chez moi. Au moment où je repars, je vois une voiture qui passe dans la rue. Je fais, ouais, bon, bah c'est bon, c'est un signe, vas-y, j'arrête. Dodo time. Donc non, j'ai vraiment une chance de merde. Terrible. Même tout à l'heure, je suis passé au Court Center, je voulais tenter ceux de là-bas et il y avait déjà quelqu'un dessus. Après, je suis passé au parking des 4, il y en avait un aussi. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Ça marche. Puis là, celui-là, il m'a fallu 5 coups avant qu'il se décide à s'ouvrir, donc non, j'ai vraiment pas de bol, moi. C'est terrible. À qui vous revendez quand même? Enfin, vous avez quand même une idée de à qui vous allez revendre tout ça? Pour le moment, c'est un peu du multicolore qu'on croise au BTP. Ouais. Donc ils viennent, ils proposent. Ils disent, ouais, si vous avez des trucs à nous ramener éventuellement. Par contre, il n'y a personne qui propose de nous vendre des trucs pour qu'on puisse aller en vendre dans la rue. Ça, étrangement. Ah ouais? Oui. Okay, okay. Pour le moment, j'ai trouvé personne qui voulait en vendre des conneries. Ok, ok. Et au BTP, ils vous ont donné un tarif ou pas du tout? Non, ils disent que les tarifs, ils les donnent quand on ramène. Et du coup, vu ma chance de merde. Effectivement, effectivement. bon, bah ça marche. Allez, on va partir sur... Déjà, je vous fais sauter la garde à vue. On va pas s'embêter avec ça. Pas aujourd'hui, tout du moins. Alors, sauf si vous me dites que dans 10 minutes, vous me refaites un dab. Ouais, là, quand même... Ça va être un peu chiant. Pour votre information, le délai de récidive est à 24 heures. Je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Non. Vu que c'est un distributeur de billets, c'est un délit moyen, donc c'est 24... délit mineur, donc 24 heures. D'accord. Ouais. C'est ça. Attendez, j'ai un... oui, non, si, c'est ça, 24 heures. Oui, si, c'est ça, 24 heures, oui. Okay. Hop. Bon, bah... On va partir sur une interune pour commencer la journée. Hop, interune qui se. À hauteur de 1 750 $. Et sans garde à vue. Hop, on est tout bon. Je vais vous dresser l'amende.
Black. Mais du coup, vous êtes beaucoup étourné ou c'est vraiment juste que j'ai pas du tout de bol? Vous avez pas de bol. Je vais me flinguer. Vous m'avez dit qu'il y avait du monde au cortes et aux 4 dames, ils ont pas sonné ceux-là. Oh putain. Vous avez pas de bol. C'est bon, je me mets au coin, je bouge plus, voilà. Vous retournez au BTP, vous trouvez SHMS et puis voilà, ça va aller plus vite. Ouais, non, je vous avoue que les entreprises publiques, j'ai déjà tenté, c'est chiant. Ah bah. Passer toute la journée à tourner comme ça, comme des cons. Eh ben, on est tout bon. Je vous souhaite la bonne journée, du coup, et ouais. Bon courage à vous. Ouais, on va essayer. Allez, ça va le faire. Allez au BTP, ça ira mieux. Vous aurez pas, vous aurez pas de loose là-bas. Allez, ça va. Sauf si vous glissez sur un caillou. Mais ouais, je vais glisser sur un gravier, je vais me retrouver sous la bagnole, ouais. Ouais, donc je vous pense, on va éviter. On va m'inscrire au Darwin Award après. Allez, sur ce, je vous souhaite la bonne journée. Bonne journée, oui. Au revoir. Au revoir. Mais ta mère, putain. Mais c'est pas vrai. Fais chier, quoi. J'en ai 150. J'en ai fait 3 seulement, putain. J'en ai marre. Le truc maintenant, c'est est-ce que je tente de me faire les... Est-ce que je me tente des boutiques ou pas? De toute façon, ça va être mort. Après, on voit. Lui, il tourne en 4x4. Il y a peut-être bien qu'eux qui sont en ville. Bon. Ah, ou si on va rester comme ça.
Ah oui, mais attends. C'est vrai que du coup, j'ai plus rien, faut que je reprenne. Toi dégage. Je vais vérifier un truc. Hein. Hey, thanks for calling. Yeah, I have the perfect guy for your film. Well, he's been doing reality shows, but he's really good. I can meet you at Richard's Majestic Lot. On va aller s'entraîner 2 minutes, voir si je suis vraiment ok ou pas.
Ouais, en vrai, y a moyen. Y a moyen, je peux réussir à me démerder. Après, de toute façon, il y aura toujours une différence entre mon entraînement. Il y a toujours une différence entre les phases d'entraînement et les phases où j'aurais vraiment les flics au cul. Après, ouais, le truc qu'il y a, c'est que ma caisse, elle est stock aussi. Donc, ça peut être chiant. Que je tape là ou pas? Ouais. Merde. Mais je pensais pas qu'il était si loin qu'elle était si loin la station essence.
Oh, bah au moins je sais où il y en a un radar. Ouais, ici. Allez, vas-y, on tente, on verra bien. Tu restes calme et tout se passera bien, ouais. Je veux juste le pognon, le reste je m'en fous. Allez, ça va bien se passer, vas-y, file le reste là. On y va tranquille, on fait pas de conneries. Tu déclenches pas ta putain d'alarme. Laisse-moi gagner un peu de pognon aussi. J'en ai ras le cul. Bon, premier magasin, est-ce que ça va passer ou pas? De toute façon, là. J'ai pas le choix, les deb, je suis cramé, donc ça va être tout ce qui est magasin et autres maintenant. Mais t'inquiète, ma grande, c'est rien. Je te menace pas, je te demande juste le pognon. Tu restes tranquille et tout ira bien. Tu vois, tout se passe bien. Pour le moment, c'est nickel. Tu restes au calme, tu me fais pas chier, et je te fais pas chier. Allez, vas-y, file les derniers trucs là. Mène-toi de me filer la fin. Tu seras bien sympa, et je te laisse tranquille. Allez, je te laisse, je te fous la paix.
Tiens. Ouais, ça m'aurait étonné. J'ai envie de te dire. Bah allez Gigi, tu fais pas la con. Tu les appelles pas et tu me files tout. Et tout se passera bien. On reste calme surtout. On s'énerve pas. Tout va bien se passer. Ça va aller. Allez, vas-y, donne-moi ça tranquillement. On donne tout et je te fais rien. On est d'accord. On y va tranquillement, tout va bien aller. C'est bon, t'inquiète. Vas-y. Je te ferai rien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je ne te veux aucun mal. Je veux juste de quoi bouffer. Donc laisse-moi du pognon que je puisse payer mes factures. Allez, allez, vas-y, envoie la monnaie. Plus vite, là, mets-toi, j'ai pas que ça à foutre, bordel. J'aimerais pas qu'une patrouille me tombe sur le coin de la gueule par hasard, quoi. Mène ton fiac. Je te ferai rien, mais mène-toi quand même.
Allez, allez, allez. Bon, allez, vas-y. Finis le fond là, je suis sûr que t'en as plus beaucoup à me filer, donc mène-toi. Et ça sera good. Gigi, si t'es championne, remplis-moi ce petit sac. Gigi, Gigi, t'es la meilleure, je vais te laisser. Gigi, Gigi, bonne journée. Quoi qu'on va repartir par là. Bon bah voilà, j'ai quand même un peu de bol. Par contre, je fais pas la tarée. Je vais partir sur une base de 2 mics par 2. Je vais éviter de m'en faire plus. Je crois qu'il y a un radar sur la route par là-bas. Enfin, je me méfie. Hop.
Ah, tiens, bonjour. Bonjour. Je suis pas en file d'attente, vous pouvez y aller. Ok, nickel. Et coucou, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour un petit pansement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je crois que je me suis pris un mur tout à l'heure. Ah oui, vous avez mal à quel niveau? Un peu au poignet, mais rien de bien grave. Ouais, faites voir ça. Regardez. Hop, ouais. Bon, c'est un peu gonflé quand même. Je vais vous mettre une petite pommade. Ouais, parce que vous étiez fermé quand je me suis pris le mur. Donc j'ai, ah, oui. J'ai dû prendre mon mal en patience. Hop, ça devrait un peu calmer la douleur. Ouais, c'est déjà mieux. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non, ça va aller. Parfait. Je passerai peut-être un peu plus tard pour un don du sang. Ouais, ça marche. Bon courage! En vrai, ça m'a bien réussi pour le moment. J'en ai fait deux, je me suis pas fait toper, donc je vais continuer par là-bas pour le moment. Oula. En vrai, l'autre sub de Chichi là, elle est un peu compliquée parce que bah, du coup, si je la fais, t'es dans l'arrière-boutique. T'entends pas force. Ah, quoi que non, t'es pas dans l'arrière-boutique en fait.
Allez Gigi, file-moi les thunes. Allez Gigi, tu vas être papa. Allez Gigi, file-moi tout ça. Allez Gigi, allez Gigi, tu vas me rendre riche. Petit Gigi, tu ne cendras pas. Petit Gigi, tu m'envoies tout ça. Petit Gigi, je ne te ferai pas de mal. Petit Gigi, tu es trop sympa. Allez, donne-moi tout ça, et ça ira bien. On sera les meilleurs amis du monde, ou pas. Ou pas, ou pas. Je veux juste récupérer tout ce que t'as. Je n'en veux pas plus. Donne-moi tout ça, et tout ira bien. Petit Gigi, tu es trop sympa. Petit Gigi, envoie-moi tout ça. Petit Gigi, les FTO ne viendront pas. Petit Gigi, tu ne sonneras pas. Bon, par contre, en vrai, tu pourrais te manier quand même. Ça m'arrangerait un peu. Parce que si tu mets 200 ans, le problème, c'est que c'est chiant. Pour toi et pour moi. Donc bon, tu me fais péter tout ça, et ça ira bien. No more cooking, more moula. Allez, on voit tout ça. Là. Allez, 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 plus vite que ça. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Gigi, Gigi, file-moi, file-moi. Gigi, Gigi, file-moi tout ça et je te lâche la grappe. Allez, ciao, bye bye. Et ciao, bon dimanche. Salut toi, je viens pour la caisse, allez file-moi tout ça. Sois sage et ça ira bien. Si t'es sympa, je te lâche la grappe. Tu n'appuies pas, tu me laisses en paix. Franchement, reste calme, il ne se passera rien. Tout ira bien. Tu n'auras rien. Allez, allez, envoie-moi tout ça. Allez, allez, je veux toute la moula. Allez, sois sympa, magne-toi. Magne-toi, toi, 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 la 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 la. Magne-toi, toi, 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 magne-toi, toi, toi.
Allez, envoie-moi tout ça là. On voit tout, fait tout péter. Allez, 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 fais-moi tout péter, fais-moi tout péter. Envoie-moi tout ça, et tout ira bien. Envoie-moi tout ça, envoie-moi tout ça. Je ne te frapperai pas. La 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 la. Allez, 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 file-moi le blé. Allez, sois sympa, magne-toi. Magne-toi le fiac, 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 magne-toi le fiac, 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 magne-toi le fiac, magne-toi le fiac, magne-toi le fiac, 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 magne-toi le fiac, 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 magne-toi le fiac, 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 fiac. Salut Makia, comment tu vas? Allez, file-moi ta putain de caisse, mets-toi de la finir, bordel! J'ai pas que ça qu'à foutre, moi! Mais écoute, moi, ça va, hein. Comme tu peux voir, je me suis fait toper tout à l'heure sur les dabs, du coup, bah, j'en ai ras le cul, je passe sur les magasins, les sup et tout. Et voilà. Et il y a un moment, si je veux faire de la moula, il va bien falloir que je m'y fasse. Donc en solo avec ma vie de Giro. Et ça va nickel. Allez, file-moi la fin là et je me casse. Merci, à plus. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais de beau? Boulot, boulot ou glandouille, glandouille? Ok, ok. Bah, dis-toi que là, j'ai tenté de braquer tout à l'heure. Il a fallu que j'attende pratiquement 15 heures avant de pouvoir taper un truc. C'est un peu la misère. Et du coup, là, ouais, on arrive à taper un peu. Bon, les dabs, c'est comme d'hab, j'ai pas non. J'ai pas. Mais d'accord, j'ai plus de place là-dedans. Bah,
C'était sur mon idée de deux partout. Hein. Problème de tourner avec la vie de Giron. Allez, le couillotte. Mais ouais, les dabs, concrètement, j'ai eu le temps d'en faire 3, je crois, avant de me faire toper. Donc, pas bien ouf. Et là, Supémax, ça fait 2 magasins de vêtements et 2 sup que je me tape. Et du coup, bah, si jamais j'ai les FDO qui se pointent, je tente la CP. De vrai, je pense qu'avant qu'Azrin appelle les Skulls, il y a du temps. Parce qu'elle a déjà eu un échange côté Neo Triada, donc elle a du monde pour tout ce qui est récupéré, les liasses et autres. Elle peut leur refourguer à eux. Et là, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de m'entraîner en off au CP, je suis tombé. Bah, j'ai les maîtres, ils ont vu que j'étais en train de tourner. Ils se sont posé des questions, ils sont venus voir et ils m'ont eu au moment où je me suis planté. Et du coup, ils m'ont dit direct que bah, si je voulais leur acheter des trucs pour leur vendre dans la rue, ils pouvaient me fournir. Ça a payé niveau marchandises là. Les petits sacs, j'en ai 61 maintenant. Ça, j'en suis à 23. Allez, on est reparti. Pour le moment, j'avoue, ça me réussit par là-bas, donc je vais continuer par là-bas. Et en vrai, avec tout ce qui est récidif et autres, je pense que je vais partir sur du. Peut-être un jour sur deux à faire du RP. Je vais voir. Parce que comme ça, ça me laisse une journée où la récidive elle dégage tranquille. Et ça me permet le lendemain de reprendre sans trop me poser de questions sur l'horaire limite. Je vais voir. Je vais voir. Par contre, ouais, dès que j'ai du pognon, je balance dans la caisse. Ou je la fous parfait. Merde, j'ai raté ce que je voulais.
contrôler. Si c'est 40. Bon. Et bah du coup, je vois que dans le nord, il y a du monde quand même. Bah du coup, je vais quand même tenter l'autre à gauche, hein, et après je vais descendre. Et... Bonjour. Un petite réparation. Oui, s'il vous plaît. Et pas de problème. Je pique. Rendez-vous le 8. Bon, concrètement, j'ai 16 cas en stock de matos. Tout à l'heure, j'avais compté, ça ferait. En ce cas, si je leur prends eux. Ouais, je prends mon cas 22. Ce sera peut-être mieux. Salut, comme neuf, je vous fais la petite facture. Ouais. Tu sais, ça va être combien? Ça fait 210. Ouf, ça va. Il me reste non, 9 dollars. Ah oui, c'est la limite. Mais pour ça, je te comprends. Je comprends. Non, ouais, je vais aller en face. Eh bien, écoutez, passez un très bon après-midi. Faites attention à vous sur la route et à bientôt. À bientôt. Hop, on va traverser. Ah, ça c'est un bon ATM. Donne-moi de la moula. Merci. Voilà. En fait, non. C'est bizarre, celle devant des mags là. Ah bah écoute.
J'arrive au premier ordre. C'est bon. Chichi, tu connais la chanson. Donne-moi tout ça. Allez, Chichi, fais péter l'oseille là. Hein, vois-moi tout ça. Et je serai sympa avec toi. Chichi, sois sympa. File-moi tout ça et je te lâche la trappe. Allez, file-moi ça et ça ira. Oh bordel. Pas possible, c'est à cause de toi ça, hein. Non mais oh. Allez, on voit la moula. Émaigne-toi. Allez, mène-toi le fiac là, donne-moi tout ça. Donne-moi tout ça. Allez, mène-toi que je me casse là. Allez, donne le fond. J'ai promis, je te fous la paix. Magne-toi, magne-toi. Allez, on accélère, plus vite que ça, on voit les petits sacs et merde. Non, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite que moi, le con. Mais non, c'est de la triche. Non, je veux pas. Mais non, lâche-moi,
C'est pas moi, j'ai rien fait. Mais non, tu m'as pas vu. Hop là. Rien. Bon, en vrai, lâche-moi. Hein. Non. Merde. Où je l'ai fumé. Let's go. Première CP gagnée. Je vous ai niqué. Merci Makia. Oh putain. Je t'avoue que le stress était haut là. Ah le petit entraînement là de passer par là-bas. Au niveau du Black Cat, il est payeur. Il a payé. Bon, je me suis un petit peu foiré, j'ai un peu tapé, mais ils ont l'air de s'être viandés comme il fallait. On va pas rentrer tout de suite, on va attendre 2 minutes. On va remettre de l'essence déjà. Mais non, casse-toi. Hop. Allez, tourisme maintenant. C'est bon, j'en ai assez fait pour là. Ça me va. Ouf.
Allez, ça ira pour aujourd'hui. On est déjà pas mal. Est-ce que j'ai de la merde à mettre là? Non, par contre, faut que je reprenne un truc par là. Hop là. Encore. Oh, ça va, c'est pas mal. C'est pas trop mal. On pourra continuer. Mais ouais, en vrai, dans les virages, je le sentais qu'il avait du mal. Hein. Ça se sentait que le gars derrière, il avait vraiment du mal. Par contre, en ligne droite, c'est même pas la peine. Ça, c'est clair, net et précis, ligne droite, c'est mort. Ça fait vachement plaisir de réussir à gagner une petite CP. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je peux bloquer parce que j'ai une personne que je dois emmener, mais je peux pas m'occuper tout seul. Du coup, je vais m'occuper de ton attendance. Nickel. Elle n'est pas trop technique. Ouais, non, c'est un don du sang, ça devrait aller. Ok, ok. Bah, je suis prévenu à du coup qu'il y a les monsieur, il y a le monsieur derrière, s'il te plaît, j'arrive, ok. Oui, t'inquiète, je vas-y, hein. Je suis pas pressé. On peut y aller. Ok. Oh, monsieur, ils vont rien comprendre. Tu m'étonnes. Je suis privilégié. Non, ça se passe bien pour toi? Bon, écoute, ouais. Et dans ta nouvelle vie? De quoi? Tu plais dans ta nouvelle vie? Ouais. C'est intense. Travaille où maintenant, du coup? Dans la rue. Ah! Ouais, c'est un changement en soi! Ah bah totalement, ouais! Ah ouais. Ah, c'est pas trop dur les débuts? Bah je t'avoue que ça a été un peu galère au début. Après, j'ai pas énormément de chance sur les dabs. J'ai tendance à avoir souvent les flics qui me tombent dessus. Du coup, je me suis dit, bon, j'en ai marre, j'ai une belle bagnole qui va vite, qui se conduit bien, on va s'entraîner un peu. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah maintenant, je vais les emmerder à taper les magasins. Et je chante des petites berceuses à Gigi pendant ce temps. C'est original. Bon, bien bu, bien mangé, je suppose. Oui. Pas d'alcool, pas de drogue. Non. Et pas de rapport à... Non plus. Nickel, pas de soucis. D'ailleurs, tu veux une bonne blague? Première fois que je me suis fait arrêter sur un dab, les flics déjà, bon, ils étaient étonnés de voir un médecin qui fasse de la crémie. Bah oui, j'en avais marre. Donc ils ont été tout pipou avec moi. Et la deuxième fois que je me suis fait arrêter, ça a été la même. Ils ont été tout pipou. Et par contre, dans les questions qu'ils m'ont posées, c'est s'il y avait du monde au LSES qui acceptait les demandes un peu étranges. Bah écoutez, moi il y a personne qui m'en a parlé, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a déjà demandé si je pouvais faire sortir en usine. Après, je vous avoue que quand le mec il m'a proposé 20K pour juste pour ça, je fais ouais, ça fait un peu cher pour ça fait pas cher payé pour risquer de perdre mon taf. Ouais, clairement.
part le million, en vrai, même pas, hein, même un million, en vrai, moi je le ferais même pas. Hop. Pansement, tu désires quoi? Un panda qui fait n'importe quoi. Ouais. À toi de voir ce qu'il fait. Une roulade. Nickel. Hop, voilà. Du bonne collation. Un donut. Un petit donut. Du coup, sur le dossier, si tu veux noter dans les remarques, pansement, un panda et activité au choix du médecin. Donc moi, je mange mon bon petit donut. Pas peur des piqûres. Enfin, des aiguilles. Ça serait con. Voilà. Pense les mains. Panda. Collation, je te laisse au choix. Ouais, collation, ça dépend. Yep, pas de soucis. Ça dépend de si j'ai faim ou soif à la fin de la prise de sang. C'est une bonne idée, ça aussi. Il faut choisir sa collation. Exactement. Ça me fait penser, faut que je fasse le mien. Comme d'habitude, non, tu sais très bien quand on est médecin, on n'a jamais le temps pour ça. Ah, mais c'est la blague que j'ai sortie hier. Hein. Quand j'ai été médecin, j'y pensais jamais. Depuis que je bosse dans la rue, j'y pense tous les jours. Ouais, franchement, j'ai envie de te dire, c'est rare les gens de la rue qui pensent à faire dans du sang. Là, bah écoute. C'est pas qu'on voit le plus. Hein. Ah, oui, non. Généralement, ils viennent le pomper, ouais. Oula. Ouais, eux, ils ont plus tendance à le pomper qu'à le donner. Exactement. Ah, tu te fais pas trop mal pour l'instant. Non, bah après, il y a juste, vu que je m'entraîne, je suis encore en phase plus ou moins d'entraînement à la conduite, je me prends des murs de temps en temps, mais rien de bien grave. Ouais. Je n'ai pas regardé d'ailleurs si tu avais besoin d'un pansement. Non, ça va, non. Là. Okay. Non, okay. Là, tu vois, je viens de réussir à me taper une CP sans me prendre un mur, donc c'est bien. De quoi? Je viens de me taper une course poursuite sans me prendre un mur, c'est nickel. Ah ouais? Ça avait bien fini ou... Ouais, oui, bah oui. Okay. De toute façon, tu serais pas là, c'est ça? Oh, bof, je pense pas que pour ça, ils me foutront en tôle, quand même. Ça serait un peu excessif. Ouais, peut-être garde à vue, tu vois. Ouais, peut-être. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y a moins garde à vue quand il y a un délit de fuite. Ouais, je sais pas si ça existe. Je sais pas. Je sais pas, on verra la première fois qu'ils le feront. Ouais. Par contre, c'est normal, le musicien dehors, là. Ouais, il attend son collègue. Il en faisait à l'intérieur, on lui a dit de faire dehors, je pense. Allez, où est-ce que tu peux aller? Mais allez, je te laisse parce qu'il y a un pompier derrière et puis il y a le monsieur à droite. Ouais. Même si le pompier, à mon avis, il a déjà été pris. Je sais pas, je vais voir ça. Ah bon, en tout cas, bon courage! Merci, à toi aussi. À plus. Pa. Ouais, tiens. On vient du Jingling Squid. Bon. écoute. Je vais le contacter, voir. De toute façon, ce sera sûrement plus tard, je pense. Bonjour monsieur Wallace. Oh putain, c'est qui ça? C'est la doc, hein. Oui, c'est la doc, ouais. Avec la Viguero, hein. Oui. Ah non, mais t'es plus doc en plus, hein. Eh non. Non, et puis du coup, ça a payé avec la Viguero. Putain, tu pourras m'envoyer ton prénom par message, s'il te plaît. Oui, y'a pas de soucis. Je l'ai pas enregistré à ton numéro. Y'a pas de soucis, je t'envoie ça après. Du coup, aujourd'hui, on est pas mal occupé. Ouais. Mais vas-y, demain, je te rappellerai avec des trucs. Okay, ouais. Du coup, j'en prendrai 100. 100? Okay, ouais, là j'ai réussi à tourner un peu aujourd'hui, donc j'aurai un peu de liquidité. Let's go, putain, ça va bien bosser. Hein. Est-ce qu'on a bien la petite vigue, hein?
Ouais, ça va. Bah, là, je viens de foutre la misère au BCSO. T'as foutu la misère au BCSO? Après, voilà. Bon. C'est bien, hein. Mais le BCSO, c'est. Voilà. Oui, bon, après. Dis-toi que la moitié, ils sont aveugles et malentendants, donc c'est. Ah ouais, bah déjà quand je suis revenu du nord dans les villages, j'ai vu qu'ils galéraient, puis du coup après j'ai été Ouais, dans ils les galèrent, hein. canaux Ils galèrent. où tu m'as Déjà, rien que croisé tout mettre à les codes l'heure pour et. venir quand il faut, ils savent pas le faire. Alors suivre une voiture après, pff, ça nique, hein. Ouais, vivement que la petite mère elle soit full perf comme ça sera encore mieux. Let's go. Il y a mon boss qui va te rappeler, il m'a dit là. Ok, y a pas de soucis. Et bah je Voilà. t'envoie mon place dans 2 secondes. Ça roule. Allez, je te Bonne dis à plus. journée, à plus. Hop là. Bon, écoute, en attendant, se poser tranquillement. Hop là. Eh, ça va, ouais. Je me suis pas pris un mur au point de tout à l'heure où je me suis fait mal. Par contre, je sais, c'est ça qui est con à pas avoir de copilote, c'est que je sais pas à partir de quel moment le flic il s'est planté. Je pense que c'est quand j'ai commencé à foncer dans la rue. Mon avis, c'est vrai, quand j'ai commencé à foncer dans la ruelle, ça a dû le mettre en PLS et après. Bon. Ouais, le truc c'est qu'il va m'appeler, donc on va attendre 2 secondes. Ouais, ça va, ouais. Par contre, j'aimerais bien m'acheter quelques petites lingettes. J'aimerais bien me chercher quelques petites lingettes. Allez. Ils sont un poil plus loin. Il y a Ah mais non, attends. Faut peut-être du pognon aussi pour payer. Espèce d'abruti. C'est quoi? Mmh.
Je crois que c'est de l'ordre de 20 balles la machine, un truc comme ça. Ouais. Ça devrait suffire. Ou pas. Non mais vraiment. Toi tu vas en avoir. Toi tu vas avoir du pognon. Dis-moi. Mais non. Mais vraiment quoi. Et ton voisin, il en a ou pas? Va te faire foutre. Bon, bah on va remonter. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, on notera un truc très simple, c'est que les bagnoles de flics en ligne droite, c'est même pas la peine d'espérer. Comment l'autre, il m'a rattrapé? Évidemment, il n'y a plus personne. Bah écoute, on va attendre 2 minutes. Hein. C'est pas grave. On va patienter tranquillement. Tu peux m'en arfier, vraiment. Non, mais ma mère à côté, elle parle pas, elle hurle. C'est violent. Mm-hmm.
Et comment il va le chat? Je vois qu'il y a un peu de monde. Nous sommes actuellement en attente d'un appel. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Amy de Darnell. Je vous appelle suite à votre message entreprise. Oui. J'aimerais savoir combien de lingettes vous souhaiteriez acheter. 50 si possible. 50, oui, pas de souci. Ça fera combien par contre? Ah oui, non, 50. Ouais, c'est 60 en les ventes par 20, par lot de 20. Ça serait 60. Ouais, y a pas de souci. Hop, je vous dis ça tout de suite pour le prix et le poids aussi. donc ça ferait 720$ et 12 kilos. D'accord, y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez passer à Darnell? Ah oui, bah, je suis sur votre parking. Ah, bah on va pas tarder à arriver. Ouais, bah, je me doute bien, j'ai vu tout à l'heure deux camions en passant devant, donc je me doute que vous êtes en train de bosser. Oui, on n'est pas très loin. Au début, je suis arrivé, je me dis cool, il y a quelqu'un, et puis au moment où je vais aller me carrer, je fais merde, j'ai pas de sous. Ah oui, embêtant. Ah oui. Mais là, même pas 5 minutes, on est là. Il n'y a pas de soucis, je vous attends. Et bien, de suite. À tout de suite. Ok, donc ça c'est bon. Oui, donc je disais, nous sommes en attente d'un appel des meds. Enfin, du boss des meds, je sais pas pourquoi. Il y a juste un... Bah, tout à l'heure, je suis stone en lui demandant si je pouvais lui... Si je pouvais leur en prendre 100 de coco. Voilà. On verra quand ils pourront me proposer ça. Après, ça apporte pas énormément, je sais, mais bon, je me dis, en soi, ça me changera un peu de temps en temps. Plus les sons, je peux les écouler assez rapidement. Par contre, il n'y avait pas une histoire de... d'élection gouvernementale ou je sais pas quoi. Là. Parce que je sais qu'ils ont fait leur campagne, mais ça durait jusqu'à quand?
Donc ça peut être dans ces annonces. Plop, 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 plop. Jusqu'au 25 pour faire campagne, ok. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui vaut le plaisir à Darnell? Je vais acheter des lingettes et j'ai eu votre collègue au téléphone tout à l'heure. Ah, nickel. Donc, je suppose que c'est un des deux camions qui est en train d'arriver. Il y a de grandes chances, oui. Ça dépend, ma collègue était plutôt une voix féminine ou une voix masculine? Féminine. Ah, le 0494. 0494. Ouais. Potentiellement, oui. La dame qui est en train d'arriver. Mais non, si, c'est Amy. Ah oui, c'est Amy qui s'en charge. Okay. Oui, c'est moi qui m'en charge. Amy. D'ailleurs, je vais me rappeler que j'ai pas pris appel là. Les réflexes encore. J'ai pas encore les réflexes. va, Najette. Ben, je vais vous chercher ça, j'arrive tout oui. De suite. Oh, ça fait plaisir de vous voir pas en tenue de médecin pour une fois. Bon, en même temps, ça risque d'arriver très souvent, je ne suis plus médecin. Ah bon? Oui, ah, vous avez fait partie de la vague de licenciement avec Talia? Ah non, j'ai pas été licencié. Moi, c'est juste que j'en avais marre, du coup, je suis parti. D'accord. Okay. En fait, je suis parti et je crois que c'est le 2-3 jours après que Talia est partie et qu'il y en a eu d'autres aussi. C'est donc vous qui avez poussé Talia à partir. Non, même pas. Non, en vrai, je pense que ça faisait un moment qu'elle devait vouloir partir. Oh bah oui, Talia, oui. Parce que bon, des 2 mois que j'ai été là-bas, moi, j'ai vu certaines choses. Ça trompe pas sur les intentions des gens. Hop. Oui, je comprends bien. Bon bah je vous laisse avec du coup Amy qui se chargera super bien de vous. Enfin j'espère, sinon elle va se faire taper dessus, vous n'en faites pas. Voilà. Bonne journée. Aïe aïe aïe. Alors 60. Est-ce que vous avez de la place? Ouais, nickel. Oui, il y a de la place. Et la petite facture. Nickel. Hop. Ouais, petite erreur, j'avais oublié que c'était par des lots de vin. Oui, bon, c'est pas grave. J'avais ma supérieure à côté. Combien? alors c'est pas 160. Hop. Semaine 9, 60, hop. Quelle. Hop. Et pour vous, voilà. Et voilà pour vous. Et merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je mette un petit coup de lingette sur votre voiture? Oh, bah si vous voulez. Allez. La petite lingette allez, offerte. Vous avez passé une bonne journée. Oui, c'est ça. Ah bah, pour le moment, ça va. Ma journée est productive, donc c'est bon. Hé, hey, mon pare-brise. Mais quoi, le pare-brise? Je sais pas, vous avez fini de mettre la lingette. Mon pare-brise, il a pété. Ah, mais non. Ah, mais non, pas pour moi. Oui, complètement super, éclaté. Nickel. Ah super! Ah nickel, ouais, je note, on passe un coup de la jette et on peut arracher le pare-brise! Ah oui, bah alors là, ouais, non? Ouais, c'est pas grave!
C'est la faute au petit choc à en arrivant, non? Peut-être. Oui, bon, je suis peut-être dû avoir un ou deux chocs en chemin aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est chiant ça, les chocs, il n'y a rien, et puis d'un coup, pouf, d'accord, super. Ouais, non, mais sur celle-là, le pire, c'est vu qu'elle est décapotable, quand ouais. Vous la mettez dans le garage, si vous remontez pas les vitres et que vous refermez pas la capote, elle pète. Ah oui, effectivement. Ouais, j'avais pour les vitres, mais effectivement, oui, c'est décapotable, ça tremble. Du coup, j'ai été obligé de retourner au bénisse juste pour faire teinter les vitres, au moins histoire de savoir, de bien les voir quand elles sont fermées ou pas. Ah oui. Le truc à peine chiant. D'ailleurs, c'est quoi comme modèle? C'est la Vichero ZX convertible. D'accord, ok. Celui qu'on n'a rien en voiture. Et elle se trouve au Concess Nord et elle coûte 236 000 celle-là. C'est dans les nouvelles ça, non, il me semble. Ouais, ils sont arrivés en janvier. Voilà, c'est ça, ouais, c'est pas ce qui me semblait. Ok. Bon, ben allez, je vais retourner bosser. Et ben bon courage. Merci et bonne journée. Merci, bon après-midi. Merci, au revoir. Tiens. Oh, mais tu vas pas commencer, toi! Voilà! Tout qui pète, ça y est. Bon, bah, du coup, direction Venise. Si, à tout qui pète. À tout, il pète! Ouais, c'est mon souvenir. Bonjour. La couleur, elle doit être un peu rayée parce que la dernière, elle m'a passé une lingette et il a tout capété. Ah oui. Fini de passer la lingette, je vois mon pare-brise qui vole en éclats. Ah oui, c'est mais pas non, mais vraiment. Ah, et puis elle a fait des méga rayures sur le côté là en plus, devant l'arrière. On est tout. Je fais la facture. Et voilà pour vous. Et merci. Bonne journée, bon courage. Merci, de même. Mm-hmm.
Je vais voir un truc. Je me mélange avec le déposé. Je vois un truc. Ça fait comme des façons. Est-ce qu'on vient déjà dans l'autre? Je sais plus combien je peux mettre dans le monde stalker. Ouais. Non, je peux faire un coup de 90. On verra demain. Est-ce que je vois demain ou est-ce que je retente là? En vrai de vrai. Parce que là concrètement, j'ai fait celle-là, celle-là et celle qui est là. Ouais. Sinon ça va être par là-bas.
Ouais, vas-y. On va tenter le coup. Donc, je vais retenter, si je peux réussir à me faire deux subs, ça peut être cool. Wow. Deux ambulances qui reviennent de par là. C'est... ouais. C'est pas con, hein. En plus, elle est classe, j'aurais tellement aimé pouvoir la prendre. Je suis deg. Juste là, je suis deg. Gigi, allez, on voit la sauce là. Ouais, sérieux? Ah putain, mais vraiment?
Allez, Gigi, c'est bon, c'est la bonne. Vas-y. Envoie-moi tout ça, là. Et tu te mènes le cul. Tu me fais péter la moula. Et ça ira. Allez, 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 plus vite que ça là, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Donne-moi la moula, donne-moi la moula, donne-moi la moula, 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 moula. Et tu n'appuies pas. No more cookie, mort moula. Allez, s'il te plaît, magne-toi. Ma, magne-toi, ma, magne-toi. Donne-moi tout ça. La, 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 la. Allez, allez, allez. On va, on va, on va. On va, on va, on va. Le repas. Non, Gigi, ne pleure pas, tout ira pour le mieux. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, je te frapperai pas. Allez, Gigi, sois sympa. S'il te plaît, sois sympa, magne-toi. Plus vite que ça. Allez, Gigi, allez. Allez, allez, allez. Donne-moi, donne-moi. Allez, sois sympa. Mène-toi de finir ta caisse et je m'en vas. J'espère que t'as prévenu personne, ouais. Sinon, je reviens et je te frappe. Là, ce sera autre chose. Allez, allez, allez. Mène-toi, mène, 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 mène. Mène, mène. J'espère vraiment ne pas sonner, quoi, histoire que j'ai un peu de stock. En plus. Allez, petite Gigi, sois sympa. Finis-moi ta caisse, là, que je puisse me casser, que je te laisse, là, que je te foute la paix. Parce que je veux vraiment pas avoir de problème avec toi. T'es trop sympa. Allez, c'est bon, je me casse. Je te laisse. Nickel. En fait, celle-là, ce qui est chiant, c'est que déjà, elle donne direct sur la voie rapide.
Mais en plus, tu vois pas grand chose à l'intérieur. Donc à part prier pour qu'il n'y ait pas un flic qui se pointe, on est en train de la faire. Allez mec, tu m'envoies tout ça là et tu te manges. Tu me fais pas chier, tu m'envoies tout et je te fous la paix. Promis, je te ferai rien. Allez, on voit la moula. Tu sonnes pas et tout ira bien. Je te ferai aucun mal. Vraiment, reste tranquille. Ça va bien se passer, tu verras. T'as juste à me filer ce que t'as dans ta caisse. Et c'est bon. Promis, je ne t'en veux pas. Je veux juste ta caisse. J'ai besoin de rien d'autre. Donc vraiment, tu m'envoies tout ça et ça se passera bien. Allez, envoie-moi ça. Allez, 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 plus vite que ça, là. Magne-toi. File-moi les bifetons. Allez, c'est bientôt fini. Tu te manges. Et on n'en parle plus après. Promis, je te fous la paix derrière. Je veux juste la moula. Donc tu restes tranquille. Et ça ira. Envoie-moi ça plus vite que ça, putain! Et merde. Merci. Chier. Non mais c'est de la triche. Vraiment, c'est trop de la triche. Ils vont vraiment trop vite. Attends, vraiment? Vraiment? Merde. Oh Nick,
Va te faire foutre, j'ai pas le temps. Let's go, c'est pété, gagné. Par contre, je sais vraiment pas ce qu'il a foutu l'autre. Bon ben voilà. Mais ben écoute, maintenant c'est bon. J'ai pas mal de liquidité. Avec ça, on sera bon. Du coup, ça. Hop. Un test. Ok, ça marche nickel. Truc, c'est parfait. Hop. Voilà. Je suis sous son. Ok, bah écoute. On va changer. Hop.
Ok. Problématique ça. Non, vraiment aucun. Merde. Oh, bah il casse le voisin. Bon, bah, au pire on verra tout à l'heure. Bah écoute, on va essayer de le rappeler. On va peut-être oublier. Ah. Bon, bah, elle doit être occupée. Bah écoute, on lui fait un petit message. Bon, on va peut-être pouvoir boire un coup aussi. Tout à l'heure, ces cons de FDO, ils sont arrivés pile au moment où je venais de prendre mon shaker pour boire un coup, quoi. Tiens, je rigole un peu, moi. Je vais noter leur numéro. Donc c'était Boris et Paul, ouais. Personne dans cette ville de merde, ouais.
Vraiment une ville de merde. Bon bah allez, y'a personne y répond, moi je vais me coucher, hein. Je vous emmerde. On verra ça tout à l'heure. Allez Zou, je vais me foutre dans mon canapé. Comme ça, ce sera tout bon. Bon bah voilà, on a refait une bonne session. Divers braquages, 2 CP de canier. Ça, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Donc ouais, bah retour ce soir. Je verrai si je lance un stream ou pas. Je pense, parce que du coup, je devrais avoir une interaction côté Mads. Il y a des chances que je puisse faire un petit peu de deal avec les Néo. Donc bah on verra ça. En tout cas, pour le moment, merci à tous d'être passés. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Thank you.